Après, sur YouTube, j'écoute de la musique entre deux montages. Et ça, c'est quand le logiciel de montage met sa vie pour exporter une vidéo. Ou pendant les lives de The Crew. Eh ben, tu as bien raison. Allez, on va prendre celle-là. On va les mettre en rose. Allez, en rose. Non, je déconne, c'est pas vrai. Et hors de question. En vert. Allez, tiens. Vas-y, voilà que le rose c'est pas ta couleur préférée, jamais de la vie. Allez à vous lol, on est entre nous, tu peux MDR, non, ma couleur préférée à moi c'est le noir, le rouge, le blanc. Et... le noir, le rouge, le blanc et c'est tout. Moi c'est le bleu. Mais je crois qu'il y a quelqu'un aussi dans le live, dans le chat qui aime le bleu aussi, je crois. On va mettre celui-là, tiens. Moi aussi James, ben voilà. C'était Captain. Allez hop, on sort de là. On va changer cette livrée dégueulasse. J'aime le rose et l'arc-en-ciel. En plus, c'est une magnifique couleur que l'on trouve dans la nature. On peut la voir souvent. Moi, j'aime le bleu. Ben voilà, vous êtes trois à aimer le bleu. Par contre, une petite question. Si le livret que je vois actuellement, il est violet et noir, comment ça se fait que sur ma voiture, il est bleu et noir? C'est juste une question comme ça, hein, mais dites-moi si, je sais pas si d'un coup je suis devenu daltonien ou une connerie comme ça, mais... Le rose et l'arc-en-ciel qui est ops, cachotier, va. C'est un effet. Ah bon? Un effet de quoi? MDR, c'est bizarre, Wallox ou non? C'est logique, Ubi, non? Ubi. Ah, c'est l'effet Ubi, c'est ça que tu veux dire? Ah d'accord, je comprends mieux. C'est nul, y a rien de cool en fait dans ces livrets. Hein. Si vous en voyez un qui vous plaît hors couleur flashy et compagnie, dites-moi, hein, parce que moi là pour l'instant je vois que dalle. Hein. Ok, hop, monster. Un noir c'est bien aussi, genre juste noir comme ça, comme à l'été. D'ailleurs, je plaisante. Enfin, pas pendant 2 minutes parce que je fais du thé. Ok, y'a pas de soucis, James. Celle de base en rouge et noir était bien. Ah ouais, vous l'aimez bien celle-là? Celle-là? Cette chose? Ah, le micro qui grisille. Fait chier, je reviens. Celle-là, de livret? Avec le drapeau anglais sur le côté de l'aileron? C'est que niveau choix, y a pas le choix, lol. Merci, Captain Obvious. Donc comme ça, elle vous plaît à vous. Comme ça, pardon. Ouais. Bah, si ça vous va, ça me va. Hein. Ouais, bof. Ah, Captain, bof. MDR.
Alors, combien vous demandez pour le rallye raid? Non, pas ça, j'ai assez fait de ça. Rallye cross, pardon. Ah, 90, 105, 120. Ça va. Tranquille. Allez, on va aller s'en faire une. Une ou deux, ou trois, ou six, ou quinze. On verra. Mais on va s'en faire quelques-unes, quoi. Une fois, Tucker m'a dit qu'il considérait le rallycross comme une partition. Les tours sont tellement rapides que tu peux vraiment connaître les moindres détails de la course. Il suffit de trouver le bon rythme et le bon tempo. Je l'ai fait à la menthe, elle a l'air sympa à manier la caisse Sender, menthe fraîche, séchée ou en sachet. Bah, tout le monde sait que les Lotus sont des voitures qui ne sont pas mal en vrai. Ne dirait donc soit il est satisfait, soit il rage intérieurement en sachet. Là. Non, non, tout va bien, t'inquiète pas. Non, là, honnêtement, cette Lotus là, je crois que c'est la Lotus Elysée, non pas Exige S. La Elysée S, je crois. La Elysée S, elle est très très cool. Elle a toujours été très très cool, même cette caisse. Après, c'est une anglaise. Je sais que Hobbs, il n'aime pas les anglaises, donc. Elysée S. Ouais, c'est ça. Ouais. C'est très bon de t'être à la menthe, même le soir, ça risque de t'empêcher. Mais le soir, ça risque de t'empêcher de dormir. Eh oui, c'est vrai. Je fais une exception au Lotus à... De toute façon, Keops, si tu regardes si tu regardes The Crew du début à la fin, il n'y a que des voitures que tu n'aimes pas. Il y a une Aston Martin, il y a une Lamborghini, il y a Lotus. Bon, Lotus tient bien, ça va. Et puis la voiture de hypercar que je vais prendre, ça va être une Pagani Zonda.
Et Pagani, il me semble que tu aimes pas aussi. Ouais, Hobbs fait une exception étonnante. J'ai grave mal à la gorge. J'aime bien Lambo. Ah bon, tu aimes bien Lambo? C'est pas ce que j'ai vu la dernière fois, tiens. Tant qu'il n'y a pas d'Alfa Romeo, ça va en fait, c'est ça que tu me dis? C'est rare de savoir exactement quand un sport a commencé. Mais pour le rallycross, on le sait au jour près. C'était le 4 février 1967. C'est un sport qui a littéralement été créé pour la télé. C'est Pagani que j'aime pas. Tu la tradition, toi et moi? Bah, c'est malheureux, mais de toutes les voitures. Après, c'est possible que je change d'avis, hein, mais. De toutes les voitures que j'ai testées dans ma partie perso sur les hypercars, la Pagani, ça a été la meilleure avec Lamborghini. Mais il faut les sous pour acheter une Lamborghini. La Pagani, elle vaut 500 000. Si Alpha, si, ah, si l'Alpha est du mytho, je peux comprendre, MDR. Du miel et du citron pour la gorge. Recette de Mamie Captain, MDR. Pour la gorge, c'est le citron. Faut vraiment effet le miel. C'est surtout pour adoucir le citron. C'est normal, c'est la saison des maux de gorge. À commenter, je prends du citron. Merci, Manu Captain. MDR. MDR de rien, Manu Captain Pharmacie, à votre service. Nouveau surnom de Captain, Mamie. D'ailleurs, faut aller dormir, Mamie Captain. Hier, Papy Cap Keops. Pas de bien prendre tes médicaments avant d'aller dormir, c'est Dieu qui est Hobbs, mon Dieu. Ces cons de pharmaciens voleurs n'auront pas mon argent.
Même Warlocks le dit. Je dis quoi? Qu'est-ce que j'ai dit, James? Captain, elle peut pas aller dormir. Tant que le live n'est pas fini, elle est là pour modérer le live. Du coup, elle peut pas aller se coucher. Course American Petrol. Et après, il reste quoi? Il reste 10 minutes de live. Oh. Ah, peut-être que j'aurai le temps d'en faire une autre, après on arrêtera. Ah non, rien. C'est passé vite. De quoi, le live? Dernière nouvelle, la compagnie pétrolière britannique American Petrol vient d'annoncer que les droits de retransmission de leur course annuelle ont finalement été attribués après une guerre de surenchère. Chaque année, comme vous le savez, cette course très populaire se dispute sur un circuit différent. Et cette année, la course se déroulera en Utah. Apparemment, c'est quand on s'amuse le plus qu'on voit... Enfin, de toute façon, quand on s'amuse... T'as vu ça? On voit jamais le temps passer, hein, j'ai envie de dire. Ce coup-ci, tu vas être dans le public. Course, elle est à moi. Moi dans le public. Alors, tu vas la blague. Pour apprendre comment on fait. La bonne blague. Ça peut te sembler injuste, mais dans la vie, on n'a pas toujours ce qu'on veut. Parfois, faut savoir attendre son tour. Je savais que tu comprendrais. Merci, c'est cool. Cette course, elle est à moi. Nya, 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 nya. Il s'est pris pour qui, lui, à nous dire si on a le droit de participer ou pas? Tu sais quoi? Finalement, c'est une très bonne idée. Moi, je dis qu'on y va. Et qu'est-ce qu'on a à craindre, de toute façon? Une fessée? Dans la vie, on n'a rien, il faut tout prendre. Exactement. Et c'est pour ça qu'on va faire la course et qu'on va casser la gueule à Wade. Petite rêve tranquille. Qu'est-ce que tu fous ici? Je t'ai dit que cette course, elle était à moi. Tellement à faire la course, on va faire la course. S'il pilotait aussi bien qu'il sait l'ouvrir, c'est clair que t'aurais aucune chance de le battre. En train de faire quoi là, sombre victime? Je suis pas premier peut-être? Sérieux dans ces galops quoi. Alors, qu'est-ce que vous me dites? Petit rêve tranquille, on veut tout prendre, tout. Itonio a compris, MDR, Eltonio a tout dit. Le vrai rap qui se fait rare, il vient de faire un saut de la foi avec le véhicule MDR, il manque juste le cri de l'aigle. De l'aigle, sombre victime, MDR.
Oui, Capitaine, imagine, tu pourrais avoir la vie de Desmond Miles. Pourquoi sombre victime Warlocks? Il peut aussi être une lumineuse victime. Franchement, si j'avais la vie de Desmond Miles, je serais pas si content que ça. Yeps. Le mec, il se fait pourchasser H24 par les Templiers. Enfin, en copain, quoi. Oui, non, mais t'as compris. Donc, franchement, ça me ferait pas si plaisir que ça. Et pourquoi sombre victime? Je sais pas, parce que sombre victime, quoi. Enfin, je sais pas, c'est. Tu comprennes comment notre relation marche. Ça me semble logique. Parce que pour l'instant, elle marche pas. Pas pour moi, en tout cas. Parce que ce serait trop long à dire, en fait, lumineuse victime. Tu vois, sombre victime, c'est mieux, c'est radical. Est-ce qu'on a le temps de s'en faire un? Ouais, on a le temps de s'en faire une petite dernière, après on se laissera tranquille. La lame secrète. Ouais, mais la lame secrète... C'est vrai que ce serait cool d'avoir une lame secrète, je dis pas le contraire, hein, mais au jour d'aujourd'hui, avec tout ce qu'il y a comme arme, comme type d'arme, que ce soit des armes à feu ou des armes blanches, franchement, je pense qu'une lame secrète ferait pas le poids. Après, c'est mon avis. Hein. Ce serait utile dans certaines situations. Ouais, voilà, dans certaines situations, à la limite, oui. Mais t'attends pas à débarquer avec ta lame secrète. Et cavaler vers un mec qui peut avoir un AK-47 dans les bras, quoi. Oh, il avoue vouloir assassiner Warlocks. Mais non, c'est pas vrai. Faut pas dire de bêtises comme ça, toi. Mon dieu. Alors, qu'est-ce que vous me dites? Il y a la lame avec une arme à feu. Ouais, mais la lame avec l'arme à feu, c'est dans Révélation, Brotherhood et peut-être même Assassin's Creed 2, tu vois.
Donc c'est pas quelque chose qui existe encore de nos jours, je pense. Ouais, c'est la baïonnette. Arrête d'appeler Dieu Tonio, c'est comme Beetlejuice. Si tu dis trop son nom, il va le paraître, MDR. Ça sent le vécu au Uno Keops. Tiens, plus 4. Un coup de lame secrète. Et plus défaite. Oui, Dieu est là, MDR. La dernière course va-t-il être au sommet? Et va-t-il s'illuminer au sommet de la pyramide? Faut appeler le live Warlocks et l'Himalaya, alors lol. Avec ça va. J'ai plus mal. Oh, attention, il dit plus Warlocks. Il est concentré. Ça va avec le thé, tant mieux, James. Faut laisser la gorge se reposer et parler doucement. Est-ce que j'ai récupéré mes loots? Oui, j'ai récupéré mes loots. Du coup, ce qui va se passer, c'est que je vais sortir de là. Je vais d'abord améliorer ma voiture. Voilà. C'est par où la sortie? Pas de sortie, c'est pas grave, on s'en crée une chez nous. Allez hop, ça dégage. Il y en a pas du Keblo dans le jeu? MDR. Non, la fin du live. Eh oui. Là, je parle pas. Tu es Keblo. Eh non, je ne suis pas Keblo. Eh bien, écoutez, c'est ici que le live va s'arrêter. Sauf si vous avez envie que je continue, vous le savez. Si la majorité veut que je continuerai. Si c'est une minorité, eh bien, je m'arrêterai maintenant. Donc, dites-moi, avant que je fasse mon message de fin, et ne me dites pas comme tu veux. Hein. J'en ai un peu marre de voir comme tu veux partout. Dites-moi sincèrement ce que vous voulez que je fasse. Sinon, moi, je m'arrête là. Si je m'arrête là, c'était un live très très cool avec vous, en votre compagnie. Continue. Comme tu veux, comme il te convient. Alors El Tonio et Captain Price, c'est les deux modos, mais les plus trolleurs au monde, qui le monde n'est jamais porté, je crois. Donc il y a Kerbs qui me dit comme tu veux, continue, il y a James qui me dit continue, et après on a El Tonio et Captain Price, comme d'habitude, qui disent comme tu veux. Donc avec des comme tu veux, je risque pas de m'en sortir, moi. Continue. Ouais, James, je l'ai vu. Keops me dit continue. Arrête de spammer, Tonio. Ouais, Tonio, arrête de spammer, sinon tu vas être message supprimé, tu vois. Et pas par Captain Price, par moi. Parce que le grand chef modo, c'est moi, tu vois. Je déconne, bien sûr. On rigolait bien. Oui, j'arrête. Donc il y a Kerbs qui me dit continue. Il y a James qui me dit continue. Tu peux continuer un peu Warlocks si tu te sens. Moi, il n'y a pas de souci. Si vous voulez, je continue encore un peu. On peut continuer encore une heure ensemble si vous en avez envie. Histoire de faire un live de 3 heures. Je sais pas si les modos se sentent de rester là encore une heure ou quoi. Mais si vous voulez qu'on fasse ça, je vais juste faire une petite pause de 5 minutes. Donc si vous êtes d'accord, si mes modos sont chauds aussi pour rester encore une heure, sachant que moi ça me dérange pas qu'après je dois aller filmer Twilight Princess, mais ça me dérange pas de continuer une heure en plus de live, hein, histoire d'être avec vous. Donc si vous êtes chaud pour qu'on continue encore une heure et qu'on fasse une petite pause de 5 minutes, y a pas de souci. Moi je fais une petite pause, je coupe le micro, je vais boire un peu d'eau parce que j'en peux plus. Et puis on se retrouve après pour continuer encore une heure. Je me couche à 3h du mat, ça devrait le faire. Ouais, y a pas de soucis, si on continue une heure, c'est jusqu'à 1h du matin à peu près. MDR, tu es large, Warlocks. Moi aussi, Kéops. Bon, bah écoutez, on fait une petite pause et je reviens. Allez, à tout de suite.